Frères bien-aimés, les nouvelles sont très bonnes. Beloved brethren, news are very good. Nous sommes allés à Anyimbilekro. We went to Anyimbilekro. Nous devions exhorter l'église et la consoler. We were to encourage and comfort the church there. Et nous avons écouté des grands témoignages. And we listened to great testimonies. Des gens qui étaient plongés esclaves de l'alcool, esclaves de l'ivrognerie. People who were slaves of alcohol, of drunkenness. Esclaves de liqueur, de bandits, de kutuku. Slaves of hard drink and kutuku, etc. Mais qui ont expérimenté une délivrance authentique. But who experienced a genuine deliverance? Et pendant que j'étais en train de contempler l'œuvre de Christ dans leur vie, while I was beholding the work of Christ in their life, révélé à travers les témoignages, revealed through testimonies, Dieu est descendu et m'a parlé. God came down and he spoke to me. Il m'a dit, tu as annoncé que l'école de la délivrance va s'ouvrir. He said that you have already given the information that the school of deliverance is going to open. Il m'a dit, ça ne sera pas un groupe de personnes prises à part. He said that this will not be a group of people set apart. Que tu vas former. That you are going to train. Ça sera toute l'église. It will be the whole, the entire church. Et il a ouvert mon intelligence pendant que j'étais assis là. And the Lord opened my understanding while I was sitting there. Et il m'a fait comprendre que la prédication de l'évangile. And he made me understand that the preaching of the gospel, c'est-à-dire l'évangile comme bonne nouvelle, that is the gospel as a glad tiding, est une arme divine pour la délivrance, pour le salut, la délivrance, la guérison, la restauration. Is a divine weapon for the salvation, deliverance and restoration. Que le cours sur la délivrance doit être l'explication détaillée de l'évangile. And he told me that the course on deliverance should be a detailed explanation of the gospel. Parce qu'il a mis tout dans l'évangile. Because he has put everything in the gospel. Le Seigneur a mis le salut le message de l'évangile. The Lord put salvation in the message of the gospel. Le salut avec toutes ses ramifications. Salvation with all its different ramifications. Toutes ses déclinaisons. All its inclinations. C'est en écoutant l'évangile. It is while listening to the gospel qu'on reçoit la foi pour être sauvé. That we receive faith to be saved. Et quand on est sauvé, and when we are saved, on va entrer dans l'héritage de la guérison physique. You enter in the inheritance of physical healing. La guérison psychique. Psychic la healing. La guérison émotionnelle. Emotional healing. La restauration. Restoration. La délivrance des maladies. Deliverance from sicknesses. Des maladies révélées comme des maladies cachées. Revealed sicknesses or as well as hidden sicknesses. La guérison des infirmités. Healing from infirmities. Le salut, ce que le frère Zach appelle le salut total de l'homme. What brother Zach called the entire salvation, total salvation of man. Donc nous avons du travail. So we have work.
Le Seigneur nous a fait comprendre là-bas. The Lord there, the Lord made us understand que tout ce que nous faisons, that all that we do, le jeûne, fasting, la prière, prayer, les lectures bibliques, reading of the Bible, toutes ces choses, toutes ces activités, all those activities, sont là pour soutenir la proclamation de l'Évangile, are there to back up the proclamation of the gospel, qui est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, which is the power of God for the salvation of all those who believe. Il nous a fait comprendre que un peuple qui ne prêche pas ne peut pas conquérir une famille, même ne serait-ce une famille. He made me understand that a people that do not preach cannot even win a family. Même une âme, tu ne prêches pas, tu ne peux pas gagner une âme. If you don't preach, you cannot even win a soul. Un missionnaire, a missionary, c'est un prédicateur, is a preacher. S'il ne peut pas le faire, if he cannot do it, il ne pourra rien faire. He will not be able to do anything. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Mais qu'est-ce que l'évangile? But what is the gospel? Parce que chacun va dire que moi je prêche. Because each one will say that I preach. Nous allons le voir ensemble. We are going to see it together. C'est dans la Bible. It is in the Bible. Ça ne s'invente pas. On invente pas. We did not invent it. L'apôtre Paul disait qu'il n'y a pas deux évangiles. L'apôtre Paul a dit qu'il n'y a pas deux évangiles. Apostle Paul said that there's not two gospels. There are not two gospels. Donc le travail à faire est facile. So the work to be done is easy. Jésus a dit, Jesus said, repentez-vous, repent, et croyez à la bonne nouvelle, and believe the good news. Donc toute l'église sera bâtie dans le ministère de délivrance. So the whole church, the entire church will be built up in a ministry of deliverance. Et cela répond à une intercession du frère Zach qui demandait que chaque église des maisons soit un centre de guérison. And this here is an answer to a prayer of Brother Zach, which required that all the home churches should be a place of healing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? J'aimerais que trois personnes remercient Dieu parce que je vous ai dit que quand Dieu donne une orientation, il vous a déjà exaucé. I would like three people to pray because I told you that when God gives you an orientation, He has already granted you. Trois personnes. Three people. L'église que tu as choisie, que tu as aimée, Seigneur notre Dieu. Tu as décidé, Seigneur, que ce ne sera pas une école pour une poignée de personnes, mais que toute l'église sera bâtie, toute l'église sera formée pour la délivrance, notre Dieu, notre Père. Et que la base, ce sera l'explication de l'évangile. Et que quand nous allons comprendre l'évangile, nous serons alors, notre Dieu, enseignés. Nous serons équipés pour la délivrance. Nous te bénissons, nous te célébrons et nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, parce que c'est toi qui nous conduis. Tu as effectivement dit par la bouche de ton serviteur ZTF que chaque église de maison sera un centre de guérison et de délivrance. Seigneur, c'est ce que tu es en train de nous faire voir. Toute l'église sera enseignée. Toute l'église sera bâtie au ministère de la délivrance. Seigneur, merci parce que tu nous conduis. Merci parce que tu nous diriges. Merci parce que tu mènes le combat et tu nous établis dans la victoire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te disons merci et nous te bénissons, Seigneur, pour cet enseignement sur l'Évangile. Parce que tu as dit que c'est en écoutant l'Évangile qu'on peut avoir la foi pour être sauvé. Et c'est quand on est sauvé qu'on peut entrer dans l'héritage de la délivrance, de la guérison. Et c'est ce que tu veux que nous comprenions maintenant, Seigneur. Je te bénis, oh, pour le temps que tu as choisi pour faire de chaque église de maison, Seigneur, oh, notre Dieu, un centre de délivrance
Merci Seigneur. Tu l'as fait depuis, mais tu veux que nous le pratiquions maintenant, Seigneur, avec vie. Seigneur, merci. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant d'ouvrir cette nouvelle page, before we open that new page, quelqu'un m'a rappelé et c'est vrai. Someone has recalled me and it is true. Que nous avons sauté la vertu, la patience. Someone told me that we skipped the virtue that is called patience. Et j'ai vérifié, effectivement, nous l'avons sauté. And I checked, it is true that we skipped it. Notons rapidement ce qu'on peut retenir de la patience. Let us note rapidly what we can retain about patience. La patience est une attitude à ne pas s'énerver des difficultés. Patience is an aptitude, an ability not to be upset or angry about difficulties. La capacité, l'aptitude à ne pas s'énerver. The ability not to des difficultés. To be upset of about difficulties. L'aptitude à supporter les défaillances. The ability to support failures. L'aptitude à supporter les défaillances. The ability to support failures. C'est la vertu qui caractérise quelqu'un qui sait attendre avec calme. It is the virtue that characterizes a person who knows how to wait in quietness. C'est la vertu qui caractérise quelqu'un qui sait attendre avec calme. It is the virtue that characterizes the person who knows how to wait in quietness. Avec persévérance. With endurance. La patience consiste à supporter même les provocations, même les injustices. Patience consists in supporting even provocations and injustices. La patience consiste à supporter même les provocations et les injustices. Patience consists in supporting even provocations and injustices. Quelqu'un va lire pour nous 1 Corinthiens chapitre 6 versets 6 et 7. Someone is going to read for us 1 Corinthians chapter 6 reading from verse 6 to 7. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? But brother goes to law against brother, and that before unbelievers. Now, therefore, it is already an utter failure for you that you go to law against one another. Why do you not rather accept wrong? Why do you not rather let yourself be cheated? Amen. Quand tu es capable, when you are able, de laisser les gens t'accuser à tort, to let people accuse you even wrongly, là c'est un autre degré de patience. This is another degree of patience. Généralement, quand on est offensé, on veut réagir. Generally, when you are offended, you want to react. On veut corriger, on veut dire la vérité. We want to correct, we want to tell the truth. Il faut rester calme. Remain quiet. Faut pas dire, je m'en vais au commissariat. Don't say, I'm going to the police station. Faut te calmer. Remain calm. Accepte. Qu'on te méprise, accepte. Il faut laisser qu'on te dépouille, laisse. Accept to be despised. Let people bring you to get rid of yourself. Ça fait, c'est la patience. This is patience. Qui se manifeste. That is manifesting.
Colossiens 1, verset 11. Colossians 1, verse 11. En fait, la parole qu'on vient de lire dit que quand il y a la patience, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Actually, the word that we have just read says that if there is patience, there won't be any trial. Parce que les gens ont appris à supporter le mépris, le rejet, les insultes, because, les faux témoignages. Because people have learned to support rejection, despise, and false testimony. Les calomnies, les diffamations, ils ont appris à les supporter. They have learned to support all these things. Ils ne sont pas calmes parce que tout le monde les admire ou les loue. Ils sont calmes parce qu'ils sont patients. They are not calm because everybody admires them or praises them. They are calm just because they are patient. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Strengthened with all might, according to his glorious power, for all patience and long sufferings, suffering with joy. Jacques chapitre 5, verset 10 et 11. James chapter 5, verse 10 and 11. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endured. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Amen. Tous ceux qui entretiennent une pensée vengeresse, those who have in them some thoughts of a vengeance, c'est-à-dire tous ceux qui sont animés du désir de se venger, all those who have the desire to avenge themselves, ne sont pas des hommes ou des femmes patients, are not patient men and women. Tous ceux qui murmurent, tous ceux qui se plaignent, all those who murmur, all those who complain, tous ceux qui se plaignent de leur sort, all those who complain about their lot, ne sont pas patients, are not patient. Même quand tu es malade, even when you are sick, tu dois attendre la délivrance dans le calme, dans la foi. You must wait deliverance in quietness and in faith. Si tu perds la foi dans les souffrances, tu n'es pas patient. If you lose faith in hardships, then you are not patient. Si tu murmures, if you murmur, tu n'es pas patient. You are not patient. Si tu maudis Dieu, si tu maudis les hommes, if you curse God and curse man, tu n'es pas patient. You are not patient. Si tu ne peux pas supporter les tribulations, if you cannot support tribulations, tu n'es pas patient. You are not patient. Tu ne peux pas supporter les afflictions, if you cannot support afflictions, tu n'es pas patient. You are not patient. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous méditez dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 6. You can meditate in 2 Corinthians chapter 1 verse 6. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4. 2 Corinthians chapter 6 verse 4. Et 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12. And 2 Corinthians chapter 12 verse 12. Voilà ce qu'on peut retenir brièvement de la patience. This is what we can retain, we can keep in mind, bear in mind about patience. Et n'oubliez jamais comment nous avons mené l'étude. And never forget how we conducted the study. C'est en relation avec
le revêtement du caractère de Christ. It is in relation with the putting on of the character of Christ. Et la révélation centrale. And the central revelation. Nous a fait savoir que un homme normal doit désirer avec ardeur ses vertus et Dieu va les accomplir dans sa vie. Brought us to understand that a normal man must burningly or ardently desire these virtues and God will fulfill them in his life. Celui qui se complaît dans ses insuffisances, dans ses faiblesses, ne connaîtra jamais de transformation. The one that pleases himself in his limitations and in his weaknesses will never experience any transformation. Même en écoutant les témoignages, even by listening to testimonies, des cas de délivrance comme ceux que j'ai évoqués au début, the different cases of deliverance as those that are quoted in the beginning, dans cet alcoolisme, ces gens voulaient la délivrance. In this drunkenness, these people they longed for deliverance. Et quand on leur a annoncé l'évangile, and when the gospel was preached to them, comme solution pour leur délivrance de l'esclavage, or as a solution of the deliverance from bondage, et ils ont embrassé l'évangile. They embraced the gospel. Et ils ont expérimenté la délivrance authentique. And they experienced genuine deliverance. Dieu regarde le cœur pour voir ce que tu désires. God look in your heart in order to see what you desire. Tu peux être dans sa présence. You can be in his presence. En désirant d'autres choses. And desire other things. Et on ne trompe pas Dieu. And we don't deceive God. Il sait tout. Il sait tout. He knows all. Dites amen. Say amen. Frère, je vous dis la vérité, Dieu m'a parlé. Brethren, I tell you the truth. God spoke to me. Et vous verrez le résultat. And you shall see the result. Avant cette révélation, before this revelation, si on me demandait d'enseigner sur la délivrance, if I was asked to teach on deliverance, j'allais commencer par l'activité des méchants esprits. I would start by the activities of the wicked spirits. Et le royaume des ténèbres. I would say the kingdom of darkness. J'allais parler de l'autorité que Jésus a donnée. I would have talked about the authority that Jesus gave. Et avant de continuer même, on pouvait faire une démonstration authentique. And before we continue, we can make a practical experience just to show that it is true. We cast out demons before we start. Mais le Seigneur m'a dit, but the Lord told me, le premier message, the first message de guérison, de délivrance, of healing and deliverance, c'est la bonne nouvelle. It's the glad tiding. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si je dois enseigner sur la délivrance, that is, if I have to teach on deliverance, la première leçon, the very first lesson, c'est repentez-vous et croyez à l'évangile, is repent and believe the gospel. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. The gospel is the power of God for the deliverance of anyone that believes. En fait, l'évangile est la parole de Dieu. In fact, the gospel is the word of God. La parole de Dieu qui explique les voies de Dieu, l'œuvre de Dieu pour amener l'homme au salut. The word of God that explains the ways of God and the means of God to bring man to salvation. L'évangile explique ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire. The gospel tells us what God has already done, what he is doing, and what he will be doing. Ça dit que l'évangile nous invite à croire en Dieu. That is, the gospel invites us to believe in God.
à croire que Dieu sauve, il délivre, il guérit, il restaure. To believe that God saves, he heals, he delivers and restores. C'est pour cette raison qu'il s'appelle la bonne nouvelle. That's the reason why it is called the good news. Quand j'enseignais sur Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 3, when I taught on Isaiah chapter 61 reading from verse 1 to 3, l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. The spirit of the Lord is upon me. Le Seigneur m'a envoyé pour apporter des bonnes nouvelles aux malheureux. The Lord has sent me to bring good glad tidings to those who are suffering. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. To heal those who have broken hearts. Et quand je commençais à enseigner, je sautais pratiquement apporter la bonne nouvelle, je tombais sur guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs. And libérer les prisonniers. When I started teaching, generally I used to skip bring the good news, but I directly go to heal those who are sick. Or etc. La prédication de la bonne nouvelle est le pilier central. Though the preaching of the good news is the central pillar. Pour amener les gens au salut, il faut leur expliquer ce que Jésus entend par bonne nouvelle. To bring people to salvation, you must tell them, explain them what Jesus understands by good news. Pourquoi ces paroles-là doivent-elles être appelées la bonne nouvelle? Why shall these words be called good news? Qu'est-ce qui est bonne nouvelle dans l'évangile? What is good news in the gospel? C'est cette explication du plan de Dieu pour sauver l'homme qui est tombé. It is this explanation of the plan of God to save man that is given. Il est tombé, il est mort. He died. Et il a besoin de la vie. And he fell, he died, and he needs life. Et la personne qui connaît bien l'homme, the one that better knows man, et plus que l'homme lui-même, c'est Dieu. And more than man himself is God. Donc tu peux croire que tu es vivant, Dieu sait que tu es mort. Ce n'est pas ce qu'il a créé qui est assis là. God, you can think that you are alive, but God knows that you are dead, that you are not the one that he created. Le cœur que tu as là, ce n'est pas le cœur qu'il t'a créé avec. The heart that you possess now is not the heart that God created you with. Ce corps, that body, qui est devenu le temple des maladies, ce n'est pas le corps que Jésus a créé. That has become the temple of sicknesses. It's not the body that God created. Et lui, il le sait. And he himself knows même that. Même quand tu prétends, il sait que tu ne fais que prétendre. Even when you pretend, he knows that you are just pretending. Et c'est Dieu qui envoie les paroles qui peuvent restaurer l'être humain. And it is God that brings words that can restore human being. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'au commencement, la Bible dit la terre était informe et vide. And the Lord made me understand that in the beginning, the earth was with. Genèse chapitre 1, verset 1 et verset 2. Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Amen. Au commencement, la terre était informe et vide. In the beginning, the earth was without form and void. Il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. And the Spirit of the Lord was hovering over the waters. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And the Spirit of God was hovering over the waters. C'est comme ça que les choses étaient au commencement. That's how things were in the beginning. Comme tu es sans forme, vide, tu ne sais même pas qui tu es. Parfois, tu pleures chez toi-même.
as you are, without form, void. Sometimes you don't know who you are and you cry in your house. Et Dieu a parlé dès le commencement. And God spoke starting from the beginning. Et c'est par la parole qu'il a mis de l'ordre dans l'univers. That it is by the word that he set order in the universe. Qu'il a créé ce qu'il fallait créer. That he created was what was to be created. Qu'il a mis dans le néant ce qu'il fallait mettre dans le néant. That he brought into the not what was to be put into not. Et l'homme. And man fut créé. Was created. Et sa vie and his life était posée sur la parole de Dieu. Was laid upon the word sur of God. Les bénédictions de Dieu. On the blessing of God. Sur la volonté de Dieu. Upon the will of God. Sur la loi de Dieu. Upon the law of God. Il était heureux. He was happy. Il se portait bien. And he was doing well. Il n'avait aucun problème. He had no problem. Jusqu'à ce que le péché entre dans sa vie. Until sin entered his life. Pour le restaurer. In order to restore him. Dieu a envoyé la parole. God sent the word. On dit au commencement était la parole. And it is said that in the beginning was the word. La parole était avec Dieu. And the word was with God. Et la parole était Dieu. And the word was et la Bible God. Dit que tout ce qui a été fait par lui et avec lui. And the Bible says that all that was done by it c'est-à-dire, and through it. C'est-à-dire Jésus-Christ. That is Jesus Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'évangile, frère. The gospel, dear brethren, n'est pas une petite affaire. Is not a little matter. C'est la parole qui vient restaurer la création de Dieu. It is the word that comes to restore the creation of God. Quand on parle de nouvelle nature, when we talk about new nature, il s'agit de l'œuvre de l'évangile. It is about the work of the gospel. Quand Dieu parle, when God speaks, si l'homme croit, if man believes, il est sauvé. He is saved, et il est béni. And he is blessed. Et toutes les vertus and all the virtues qui accompagnent le salut that accompany salvation vont se manifester dans une telle vie. Will be manifested in such a life. Si tu crois à deux choses dans l'évangile, if you believe two things in the gospel, tu auras ces deux choses. You will have them. Si tu crois à deux choses, if you believe two things, alors si tu crois à une chose, if you believe one thing, tu auras cette chose-là. You will have that thing. La loi de l'évangile, the law of the gospel, veut que tu saches que tu n'auras jamais ce que tu n'as pas cru. Wants you to know that you will never have what you don't believe. Si tu crois fermement à quelque chose, if you firmly believe something, tu l'auras d'une manière définitive. You will have it definitely. Si tu crois et tu doutes, tu crois, tu doutes. If you believe and doubt, you believe and doubt, tu seras vacillant. You will be shaking. Aujourd'hui tu auras. You will have it today. Demain tu n'auras pas. And tomorrow you won't have it. Tu seras. You will be. Ce que tu auras fait de l'évangile. What you will have done with the gospel. Si tu crois. If you believe. Que Dieu annonce la délivrance du péché. That God proclaims the deliverance of sin. Si tu crois. If you believe. Si tu te repens d'abord de tous tes péchés. You first repent. Of all your sins, et tu crois à ce fait biblique que Dieu a déjà délivré ceux qui ont cru, tu seras délivré. And you believe in this biblical fact that God has delivered those who believed, you will be delivered. L'évangile, the gospel, doit être reçu. Must be received. L'évangile, the gospel, doit être vécu. Must be lived. L'évangile, the gospel, doit être proclamé. Must be proclaimed. C'est une prophétie. It is a prophecy. Quand on la proclame avec when, la foi, when you proclaim it with faith, elle s'accomplit. It will be fulfilled. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Tu peux prêcher. You can preach sans être un prédicateur. Without being a preacher. Parce que c'est la prédication de l'évangile qui transforme les gens. Because it is the preaching of the gospel that transforms people. Si tu prêches, if you preach, par réaction, by reaction, par jalousie, by jealousy, tu ne peux pas prêcher l'évangile. You cannot preach the gospel. L'évangile n'est pas quelque chose qu'on véhicule avec ses sentiments, ses pauvres sentiments. The gospel is not something that must be conveyed
with your poor feeling. L'évangile est proclamé par la foi au nom de Jésus-Christ. The gospel is proclaimed through faith in the name of Jesus. C'est quand il est proclamé par la foi au nom de Jésus qu'il va avec puissance. It is when it is proclaimed through faith in the name of Jesus that it goes with power. Si tu veux escroquer les gens, if you want to crook people, tu parles, you speak d'une manière astucieuse, with cunning, tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. You are not preaching the gospel. Tu joues avec le péché. You are just joking with sin. Et tu seras jugé. And you will be judged. Mais si tu prêches avec zèle, but if you preach with zeal, avec humilité et avec foi, with humbleness and faith, comme Jésus même l'a fait, as Jesus himself did it, lui qui est Dieu, il a pris tout le temps pour expliquer l'évangile avec le langage humain. He who is God, he took all the time to explain the gospel with a human language. Il a tout fait pour que les gens entendent la parole de Dieu. He did all for people to hear the gospel, the word of God. Il disait que si je n'étais pas venu, he said that if I did not come, et que je n'avais pas parlé, and that I didn't speak, il n'y aurait pas de péché. There won't be any sin. Maintenant que je suis venu, now that I came, et que j'ai parlé, and that I spoke, il n'y a plus d'excuses. There's no excuse, no more excuse. L'évangile, the gospel, est une puissance de Dieu, is the power of God, pour le salut de celui qui croit. For the salvation of the one. Repentez-vous, repent, et croyez à la bonne nouvelle, and believe the good news. Prêcher, enseigner, c'est décortiquer l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu pour le salut de chaque individu. Preaching and teaching is trying to explain the work and the action of God for the salvation of each individual. Quand tu l'expliques, when you explain it, et que Dieu voit ton effort, and that God sees your effort, il te bénit. He blesses you. Même si tu es analphabète, even if you are not literate, il va utiliser tous tes petits efforts pour gagner les âmes. He will use all your little efforts to win souls. Il va te bénir, tu vas communiquer la foi. He will bless you and you will convey faith. Et c'est là où je comprenais ce que nous avons enseigné à l'école missionnaire. And it's there that I understood, à l'école de la connaissance du service de Dieu. And it's there that I understood what we taught at the school of knowing God. Je disais aux étudiants, I taught the students, ne prêchez jamais par réaction. That never preach by reaction. Si vous avez entendu des petites histoires au quartier, n'allez pas préparer une étude biblique pour venir répondre à ces petites querelles du quartier. If you have heard some little stories or quarrels in your quarter, do not go and prepare messages to come and respond and react regarding those quarrels. N'utilise aucun verset biblique pour régler tes comptes. Never use a Bible verse to settle your matters. Surtout quand tu as le privilège de te tenir devant les gens et dire ouvrez vos Bibles. Above all, when you have the privilege to stand before people and tell them, open your Bibles. Voici ce que le frère Zach nous a enseigné. This is what Brother Zach taught us. En fait, il m'a enseigné. Je pense qu'il a dit la même chose aux autres. In fact, he taught me, but I hope he said the same thing to the others. Il m'a dit, si tu vas quelque part, he told me, if you go somewhere, n'écoute pas les gens. Do not listen to people. C'est-à-dire, ne reçois pas les gens. Dès ton arrivée, on dit, quelqu'un veut te voir. Do not receive people. Tu le reçois. As soon as you get there, they say someone wants to see you and you receive him. Il m'a dit, si tu fais ça, he told me, if you do this, si Dieu te parle, if God speaks to you, et que tu prêches, and that you preach, les gens vont dire que c'est ce qu'on vient de lui dire qu'il est en train de raconter. Ils ne vont pas croire. People will say that, he's just telling what we have just told him. They won't believe. Donc, tu arrives, tu te retires, tu n'écoutes pas les gens. So when you get somewhere, you go into retreat, you don't listen to people.
Et à la fin, and at the end, quand tu as déjà prêché toutes tes vérités, after preaching all your truths, reçu du Saint-Esprit, received from the Holy Spirit, tu écoutes les histoires des gens. You listen to the stories of men. Après, tu montes dans la voiture, tu rentres. After you get on the car and you go back. Personne ne dira que c'est ce que je lui ai dit là qu'il a raconté. No one will tell you. He just came and tell what I told him. Et c'est une règle d'or. And it is a golden rule. Ça te sauve. It saves you. Il y a des gens, quand ils prêchent, même tu sais qu'ils sont déjà déroutés. Ils veulent se quereller, mais Dieu ne permet pas que ça se passe aux vêtements en public. There are some people, when they are preaching, you know that they have gone astray because they want to quarrel, but God does not allow it to happen in public. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis pour nous Romains chapitre 1 verset 16 et 17. Read for us Romans chapter 1 verse 16 and 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for anyone who believes, for the Jews first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Amen. Vous notez ceci. You know this? Dieu a entrepris l'œuvre de la rédemption. God has undertaken the work of redemption. Dieu sauve les hommes. God saves men. En les réconciliant avec lui-même. By reconciling them with himself. En réconciliant ceux qui croient. By reconciling those who believe. Avec lui-même. With himself. C'est-à-dire en se réconciliant avec ceux qui croient. That is by reconciling himself with those who believe. Dieu accorde le salut. God grants salvation. Dieu guérit. He heals. Dieu bénit. And he delivers. Dieu restaure. He restores. Vous notez ceci. Note this. Toutes ces vertus sont accomplies par le mystère de la prédication. All those virtues are accomplished by the ministry, through the ministry of preaching. J'ai mis expressément mystère de la prédication. I intentionally put the mystery of preaching. Parce que je comprends déjà la prédication au-delà des mots. Because I now understand preaching beyond words. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'évangile, the gospel, est un grand mystère. Is a great mystery. Car les voies qu'il nous enseigne, for the ways that it teaches us, les voies qu'il nous enseigne pour notre délivrance, pour notre salut, the ways that it teaches us for our deliverance and our salvation, sont incompréhensibles. Are not understandable. Ce sont des voies qui sont inaccessibles à la raison humaine. These are ways that are not accessible to the human reason. L'évangile, the gospel, est au-delà de l'entendement humain. Is beyond human understanding. L'évangile, the gospel, vous notez bien ça, est inaccessible à la raison humaine, à la raison de l'homme. Is not accessible à la logique de l'homme. To the human reason, human logic. J'insiste dessus. I lay emphasis on it. Si tu ne fais pas attention, if you don't pay attention, l'évangile sera un simple discours. The gospel will be a simple discourse. La réalité que toutes les bénédictions sont renfermées dans l'évangile peut t'échapper. The reality that all the blessings are gathered, are contained in the gospel, can escape you. Si tu prends les choses de cette manière, you take things
ta prédication sera stérile. If you take things in this way, your preaching will be barren. Ta prédication ne pourra pas produire des vraies conversions. Elle ne pourra pas amener le peuple de Dieu à entrer dans leur héritage. If you do this way, you do things this way, your preaching will not bring people to enter the true heritage. They will not bring people to know true conversions. En fait, actually, ce que je ne vous avais pas dit quand je rendais témoignage sur le jeûne de 21 jours, what I didn't tell you when I was testifying on the 21 days fasting, c'est que is that pendant ce jeûne, during that fasting, je consacrais notre ministère d'enseignement au Seigneur. I was devoting, consecrating our ministry of teaching to the Lord. Lui demandant de faire en sorte que le ministère, notre ministère de la parole puisse détruire le doute. Asking him to do in such a way that our mysteries of the word could destroy the doubt. Qu'il soit capable de créer la foi dans les cœurs. That the teaching should be able to create faith in the hearts. Et d'amener les saints à entrer dans leur héritage de salut. And bring the holy ones to enter their inheritance. Et dans leur héritage d'une manière générale. And in their inheritance in a specific way and in a general way. Mais je croyais que c'est le ministère de la parole. But I thought it was a ministry of the word. Je comprends maintenant que nous étions en train de demander la capacité de prêcher bien l'évangile. I now understand that we were just asking the ability to preach the gospel well. Quand Paul parle, il ne dit pas ministère de la parole, il dit que prêche l'évangile parce que lui il avait compris. When Apostle Paul speaks, he says preach the gospel because he understood. Prêche l'évangile. Preach the gospel. En toute occasion favorable ou non. In any favorable or unfavorable occasion. Il a appris ça de qui? From whom did he learn de this? Jésus de Nazareth. From Jesus of Nazareth. Quand il est arrivé à Corinthe. When he got to Corinth. Les gens l'ont menacé. People threatened him. Il y a eu une grande opposition. There was a great opposition. Je ne sais pas ce qu'il avait planifié de faire. I didn't know what he planned to do. Mais une nuit, but one night, Jésus est venu lui parler en vision. Jesus came to speak to him in a vision. Il dit Paul, he said, Paul, preach. Ne te tais pas. Do not worry. Ne crains rien. Do not fear anything. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. No one will set his hand upon you to harm you. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. I have numerous people in this Parle. City. Speak. Parle. Speak. Il a appris ça de Jésus. He learned this from Jesus. Quand tu veux sauver les gens par la prédication. When you want to save people through preaching. N'aie pas peur des souffrances. Do not fear suffering. N'aie pas peur des menaces. Do not be afraid of N'aie pas threatens. Peur de la colère des impies. Do not fear des incrédules, des gens pervers. Do not fear the anger of the ungodly ones, perverse people. Preach the gospel. Il disait à Timothée, prêche en toute occasion favorable ou non, prêche. He taught Timothy, preach in any favorable or unfavorable opportunity, preach. Jésus lui dit, j'ai un peuple nombreux. Jesus taught him that I have a numerous people. Et quel est le moyen que Dieu lui donne pour rassembler ce peuple? Il dit de prêcher, de parler. What is the means that God gives him to gather these people? He say, preach, speak. Si tu es dirigeant, if you are a leader, tu es missionnaire, missionary. Si Dieu t'a accordé la grâce de comprendre un peu les voies de Dieu. If God has granted you the grace to understand the ways of God a little, sache que know that Dieu t'appelle, God is calling you par là même à la prédication. Through this to preaching. Dès que tu es, on dit tu es dirigeant, même si on t'a réveillé
tu te réveilles du sommeil, on dit on t'a établi dirigeant. Ça veut dire que Dieu te dit prêche l'évangile. As soon as you are told that you are a leader, maybe you are sleeping and they wake you up and then they say you are a leader, you must understand by this that you should preach the gospel. Que tu sois fort ou faible. Whether il y a des postes, dès que tu te trouves dans ces postes-là, Dieu te dit prêche l'évangile. Whether you are strong or weak, there are some positions. As soon as you find yourself in this position, God tells you preach the gospel. Si tu ne parles pas, if you don't speak, tu n'as pas encore commencé. You have not started yet. Tu peux chanter. You can sing. C'est bon. It's good. Tu peux prier. You can pray. C'est bon. It's good. Tu jeûnes. Fast. C'est bon. It's good. Tu as déjà pris les forces. You have already taken strength. Maintenant prêche. Now preach. Tout ce que nous faisons, all that we do, tout ce que je fais là, all that I'm doing, c'est pour te dire, va prêcher. It's just to tell you, go and preach. Je pouvais venir, je dis, l'évangile est puissant, allons prêcher, et le message est fini. I can come and tell you, the gospel is power, let us go to preach, and the message is over. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quelqu'un, Dieu a un peuple dans une ville. God has a people in a city. Ce qu'il demande à son serviteur, what he requires his servant, c'est de parler. Is to speak. Le reste, c'est lui-même qui va faire. The rest will be done by himself. J'ai un peuple nombreux. J'ai un peuple. He says, I have a numerous people. Parle. Speak. Ne crains rien. Do not fear anything. Va méditer dessus. Go and meditate. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Cessons de dormir. It means that we must cease to sleep. Distribue les traités. Share the tracts. Distribue les livres. Share the books. Mais parle. But speak. Une distribution de livres sans prédication, c'est une inaptitude. A distribution of books without preaching, this is an inability. Tu prêches, tu pries, tu prêches, tu distribues les traités, tu prêches, tu distribues les livres, tu prêches, tu pries, tu prêches, tu chantes. Alléluia, alléluia. You preach and you pray, you preach and you share the books, you preach and you share tracts, you preach and sing. Alléluia, alléluia. Tu prêches, tu marches. You preach and walk. Ne te tiens pas au même endroit tous les jours. Donnez vos vies à Jésus. Amen. Donnez vos vies à Jésus. Amen. Comme les commerçants font souvent. Do not stand at avec the same place. Les mégaphones, 1000 francs. Prêche, parle, construis un discours cohérent. Do not stand at the same place all the time preaching. You must preach and move everywhere. Preach. And parle du Fils de Dieu. You must construct a coherent discourse. Talk about the Son of God. Dis aux gens qu'il a écrasé le diable à la croix. Tell people that he crushed the devil on the cross of Calvary. Et ce que tu proclames, and what you proclaim, Dieu met le cachet. God will put his stamp on it. Il dit, c'est ma parole. We say, it is my word. Il y a une manière de parler. Quand tu parles, et si Dieu dit, c'est lui qui parle. There's a way, when you speak so, God will tell people that it is him who is speaking. Il y a des paroles que Dieu prend, il met le cachet dessus, il dit, ce sont ses paroles. There are words that when you proclaim, God put it, take it, and put his stamp on it and say, these are my words. Hallelujah. Praise the Lord. Si quelqu'un te touche, Dieu va lui demander, pourquoi tu me touches? If somebody set his hand upon you, God will ask him, why do you touch him? Il y a des gens qui aiment mentir et calomnier. Quand on essaie de mentir sur toi, Dieu va corriger ça. There are some people who like to lie. If somebody tries to lie upon you, God will correct this. Il va corriger ça. He will correct this. Avec tous les bruits qui se faisaient autour de Jésus. With all the noises that were done around Jesus. Un jour, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. One day, God said, this one is my beloved son, in whom I am well pleased. Listen to him. Tu ne sais pas combien de fois Dieu a déjà dit ça aux gens à ton sujet. You don't know how many times God has already said this about you.
Acclamation à Jésus-Christ. Oh, let us clap for the Lord Jesus. Je vous dis la vérité, c'est comme ça que Dieu travaille. I tell you the truth. That's the way God works. Un jour, on m'a convoqué au plateau. One day, I was summoned in plateau. J'avais prêché l'évangile de Jésus de Nazareth. That day, I had preached the gospel of Jesus of Nazareth. Il y a une sorcière prophétesse qui gardait les âmes envoûtées. There was a witch, a prophetess, that kept souls and bewitched them. Sans leur dire la vérité. Without telling them the truth. Un jour, un des membres est venu. One day, one of the members came. C'était une dame. Elle m'a expliqué comment l'esprit, le Saint-Esprit faisait. It was a lady. She explained how the Holy Spirit used to do. Je lui ai dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. And I told her, this is not the Holy Spirit. Je lui ai expliqué l'évangile. And I explained the gospel to her. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Elle a cru. She believed. Elle donnait la vie à Jésus aux environs de 17 heures. She was giving her life to Jesus around 5 p.m. La prophétesse a commencé à l'appeler à cette heure-là. The prophetess started calling her at that time. Quand elle arrive, elle voit les appels en absence. And when she came, she saw the missed calls. Elle va chez la prophétesse. And she went to the prophetess. La prophétesse lui dit, il faut que je te délivre. The prophetess said that, I have to deliver you. Elle dit quoi? He said, what? Elle a pensé à moi. She thought of me. Elle dit à la dame, je suis là avec vous depuis. Vous ne m'avez jamais dit que je suis possédé. Et aujourd'hui, tu dis qu'on doit me délivrer. She thought to the prophetess, I have been with you for long. You've never told me that I have to be delivered. And today, you say that I need to be delivered. Elle dit, non, Dieu nous avait dit que si on te dit, tu vas quitter l'église. She said, no, God told us that if we tell you, we told you, you would leave the church. Elle s'est donc dit, je préfère aller là où on m'a dit la vérité dès le premier jour. And she said, I prefer going to the place where they told me the truth at the very first day. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to the Lord Jesus. Et quand elle a cru, cette dame-là est partie directement à la police. And when she believed, that woman went to the police station. Elle dit, j'ai volé ses âmes. And she said that I stole her soul. Je ne l'avais jamais vue. I had never seen her before. J'arrive dans le bureau d'un policier. Le bureau était rempli, plein. I got into the office of a policeman and the office was filled. Des gens qui voulaient témoigner contre moi. People who wanted to testify against me. Il dit, allez, tu vas rentrer. And they said, you will get there. Il dit, moi, je suis un citoyen honnête. And I said that I am a honest citizen. Je n'ai pas peur de rentrer dans ma nation. I am not afraid to get there. Pourvu que ce soit la volonté de Dieu. To go back into my nation, provided it is the will of God. Mais comme vous dites que j'ai divisé des couples. But as you said that I divided couples. Vous me donnez le nom. Nous sommes jeudi. Je les restaure avant dimanche. Just give me the names. We are here. We are on Thursday today. I would restore them before Sunday. Et ils étaient là. La femme là, elle ne me regardait même pas. Elle dit, donne-moi mes âmes. They were there. The woman did not look at me. She says, give me my souls. Je ne pouvais même pas répondre parce que pour répondre, il faut d'abord savoir qui parle. Il s'agit de quelle âme. I could not even answer because for me to answer, I was to know what soul is she talking about. Après, qu'est-ce que je vois? Le policier se lève. After, the policeman stood up. Il dit, pasteur, prie pour moi. He said, pasteur, pray for me. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering for Jesus. Ça veut dire que quoi? Dieu lui a parlé. What does it mean? God spoke to him. Dieu lui a parlé. God spoke to him. Il n'a pas discuté. Il s'est tenu debout. Il a croisé ses mains. He did not even argue. He stood up and told me, pray for me. Et j'ai prié pour lui.
And I prayed for him. Il m'a dit, il faut partir. And he said, go. C'était fini jusqu'à ce jour, plus d'ennui. It was finished. Ne crains point. From that day to now. Dis, je suis avec toi. Do not fear, he said, il y a des I'm gens with you. Qui tremblent. Ne tremble pas, prêche. Do not tremble, preach. Ne sois pas poli gratuitement. Chaque jour, bonjour, pensant que ça va marcher comme ça. Ça marche quand on prêche. Do not be polite freely, thinking that things will work this way. Tu it works when you preach. L'argent ne change pas les cœurs. Prêche. Money does not change the hearts. Preach. Prêcher, c'est quoi? Parle de Jésus. Preaching, what does it mean? Speak about Jesus. Dis que tu le connais, il t'a délivré de l'alcool. Tu dis ça. C'est tell him that you know him, he has delivered you from alcohol. You just say this. Parfois, finish. Les prédications de Paul étaient son témoignage. Comment il avait cru, comment il persécutait l'église et comment Jésus l'a rencontré. Sometimes, quand il finissait, c'était la confusion totale. Sometimes, the preaching of Paul was his testimonies, how he believed, how Jesus delivered him, how he persecuted the church. And after saying this, it was total confusion. La prédication, preaching, c'est le message, tout discours de l'homme. It is any speech of man qui est fondé sur les quatre, sur la doctrine de Christ révélée dans les quatre évangiles. That is grounded on the doctrine of Jesus that is revealed in the four gospels. Et qui annonce and la bonté de Dieu. And that proclaims the goodness of God pour la race humaine. For the human race. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Il a donné son fils unique. That he gave his only begotten son. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. So that whoever believes in him mais shall not perish. Mais qu'il ait la vie éternelle. But that he gets eternal life. Tout discours qui explique ce phénomène, c'est ça qu'on appelle la prédication. Any speech that explains this phenomenon, that's what we call preaching. Jésus l'a fait. Jesus did it. En expliquant ce que la loi dit à ce sujet. By explaining what the law said about this. En expliquant ce que les prophètes ont dit à ce sujet. By explaining what the prophets said about this. Il a expliqué ce que les psaumes ont révélé à ce sujet. He also explained what the psalms revealed about this. Il a dit ce qu'il avait entendu le Père dire. Il dit, je dis ce que j'ai reçu. He also said what he heard his father saying. He said, I say what I received from my father. C'est tout ça qu'on appelle l'évangile. It is all this that we call the gospel. Quand on dit Jésus est mort à la croix, c'est un fait historique qui concerne l'évangile. Tu dois savoir que Jésus est mort à la croix pour nous sauver. When he was nailed on the cross, this is a fact that concerns the gospel. You must know that Jesus died on the cross for us to be saved. Un dirigeant, a leader, est un prédicateur. Is a preacher. Pas que il est un prédicateur, il peut être muet, mais il est prédicateur. He is a preacher. He may be mute, but he is a preacher. Il peut être ignorant, mais il est un prédicateur qui ne connaît pas ses droits. He can be ignorant, but it is a preacher that who is ignorant of his rights. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que je suis un prédicateur. That I am a preacher. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que j'abandonne l'ignorance. That I abandon ignorance. Je suis un prédicateur. I am a preacher. Je dois ouvrir ma bouche. I must open my mouth. Je dois parler de Jésus. I must speak about Jesus. Dis, je jeûne. Say, I fast. Je prie. I pray. Je lis la Bible. I read the Bible. C'est bien. It's good. Mais je dois parler. I must speak. Quand tu lis la prophétie de Santa Cruz. When you read Santa Cruz prophecy. La prophétie de Santa Cruz, c'est quoi? The prophecy of Santa Cruz, what is it? C'est va prêcher. It is go and preach. C'est tout, hein? That's all.
Go and reread it. It's go and preach. Tu jeûnes, c'est bon. Tu jeûnes. You fast, it's good. Tu as tellement jeûné, même tu es déjà fatigué. You have so much fasted that you are now tired. Go and preach. Vous voyez la réponse que Dieu donne à un peuple qui veut le réveil. Allez prêcher. See the answer given by God to a people who wants revival. It is go and preach. Allez prêcher. Go and preach. Certains ont jeûné tellement que quand ils entendent qu'un autre jeûne arrive, ils tremblent déjà. Va prêcher. Some of us has fasted so much that when they hear that another fast is coming, they tremble. Go and preach. Hallelujah. Praise the Lord. Tu notes que l'évangile. Note that the gospel est une chose surnaturelle. Is a supernatural thing. Tu notes que pour les croyants en Christ, for the believers in Christ, pour les croyants en Christ, for the believers in Christ, l'évangile est l'ensemble des vérités. The gospel is all the truth que Jésus-Christ a proclamé. That Jesus proclaimed pour annoncer le salut de Dieu aux nations. In order to proclaim, to share the salvation of God to nations. C'est le message qu'il a confié aux apôtres. It is the message that he entrusted the apostles with. Lis pour nous Marc 16, 15 à 20. Et tu lis aussi Actes chapitre 10, versets 42 et 43. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. So then, after the Lord has spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Act 10, verse 42 and 43. And he commanded us to preach to the people and to testify that it is he who was ordained by God to be judge of the living and the dead.
To him, all the prophets witness that through his name, whoever believes in him will receive remission of sins. Amen. Donc, c'est un ordre. So it is an order. Il faut aller prêcher l'évangile. We must go. We need to go and preach the gospel. Il y a ce que Dieu a demandé d'annoncer. There's what God required us to, il ne faut pas sortir de to là. Announce. You must not get out of it. Lis pour nous Philippiens chapitre 1 verset 15. Verset 15 à 17. Read for us Philippians chapter 1 verse 15 to 17. En fait, ce message, actually, this message, cette école va nous permettre d'atteindre le but. This school will allow us to reach the goal. Parce qu'il y aura des paroles pures. Because there will be pure words. Qui vont provoquer une foi sincère. That will provoke sincere faith. Et une foi sincère va entraîner le salut authentique, le salut total. And a sincere faith will lead to total salvation. Écoutons la règle pour prêcher un message pur. Lis. Let us listen to the rule to preach a pure message. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Lis aussi 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Also read 1 Thessalonians 1, verse 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. For our exhortation did not come from error or uncleanness, nor was it in deceit. But as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God who tests our hearts. Amen. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Praise the Lord. Écoutez bien. Listen carefully. Frère, c'est une affaire très sérieuse. Brethren, it is a very serious matter. Si tu as le privilège, if you have the privilege, de prêcher, to preach, prie pour toi-même. Pray for yourself. Il dit quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. He says that some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely supposing to add affliction to my chains, but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. Amen. Moi, je comprends bien ce que l'apôtre dit ici. I understand well what the apostle says here. Et toi, même en tant que dirigeant, tu comprends ce que l'apôtre dit. And you yourself as a leader, you understand what the apostle says here. Tu peux prêcher sur la repentance. You can preach on repentance. Et tu énerves quelqu'un qui dirige les gens depuis sans leur parler de la repentance. And you may be someone who
I've been leading people for long without talking to them about repentance. Et provoqué par ta prédication et étant jaloux, provoked by your preaching and being jealous, il fabrique aussi un message sur la prédication, la repentance. And the other person can also create a message on preaching and repentance. I mean a message on repentance. Et il commence à raconter des choses qui peuvent te donner les maux de tête. And he can start telling things that can give you headaches. Il prêche par envie, il est jaloux, il te combat. He preaches through envy, he's jealous and he fights you. Dieu ne lui a pas parlé. God didn't speak to him. Dieu ne l'a même pas envoyé. God even didn't send him. Mais ne perds pas le temps à réagir, ne réagis pas à sa prédication. Toi, tu dois continuer la bonne parole. Tu prêches la vérité, tu continues ton travail. But you do not waste time reacting to what he's saying. You continue your work preaching the good news. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous voyez le peuple de Dieu. Ne prenez pas un peuple de Dieu en captivité pour dire ce que vous vomissez les réactions. Et ils sont là et pensent que tu es en train de prêcher. You see the people of God. Do not take a people of God in captivity by vomiting your reaction and they are there thinking that you are preaching. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu dois corriger un point de vue, if you are to correct a point of view, tu dis au frère, you tell the brethren, je suis en train de corriger tel point de doctrine, that I am correcting such a point of doctrine. J'ai déjà fait ça contre la doctrine de la grâce. I have already done it against the doctrine of the grace. Quand j'ai lu leur livre, when I read the book, qui dit qu'il n'y a pas de repentance, that there is no repentance, et que ceux qui font les objectifs commettent le péché, vivent sous la loi, qu'un homme de Dieu, il n'y a pas d'objectif à faire. J'ai and lu, that, pas que j'ai entendu. And that those who do objective, who set objectives, they are under the law. There are no objective to do. Le livre, le salut, la loi, les œuvres, c'est pour répondre à ça. The book that I wrote, Salvation, Law, and the Work, is to answer this. Ce n'était même pas un livre, c'est un message qui a été prêché pour détruire ça. It was not even a book, it was a message that was preached in order to destroy this. Si bien que si tu es assis dans la salle, tu sais que le pasteur ne parle pas de moi. Il dit qu'il y a des gens qui ont écrit et il est en train de répondre. So that when you are sitting in a room, you will realize that the pastor said that some people wrote such a message and he wrote in order to answer this. He's not talking about me. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si je sais que tu as volé, if I know that you have stolen, je dois t'appeler. I must call you. Je dis, mais toi là, tu as volé, tu ne te repens pas, pourquoi? And say you have stolen, tu as commis and you don't le repent. Vol. Tu as commis le vol. You have committed a theft. Repens-toi. Repent. C'est ce que Dieu demande. That's what God requires. Si je sais que tu as volé, if I know that you have stolen, je t'embrasse. I embrace you. On se promène. And we wander together. Arrivé ici, je dis, prenons la Bible. When I get here, I say, let us take the Bible. Tous les voleurs, je jette un coup d'œil chez toi. Tous les voleurs. All the stealers, the thieves. Iront à l'enfer. They'll go to hell. Ça c'est la lâcheté. Ça trouble les autres, ils ne comprennent rien. Ils veulent être édifiés. Toi, tu racontes les histoires qu'ils ne comprennent pas. It troubles the other. They want to be edified, and you are telling stories that they don't understand. Le vol. Theft. Tu endurcis. You are hardened. Tu imagines que son cœur est endurci. That his heart is hardened. Il ne faut pas prêcher comme ça. Do not preach this way. Paul dit. Paul says, vous savez, vous, Thessaloniciens, you Thessalonians, you know, que notre prédication n'était pas basée sur des motifs impurs. That our preaching were not grounded on pure, unclean motivations. Pour que l'évangile sauve les gens, for the gospel to save people, il faut que ce soit un évangile pur. It must be a pure gospel. Sans mélange.
without mixture. Et si tu veux prêcher l'évangile pur, tu verras que tu es obligé de prendre une position de faiblesse. And if you want to preach the clean gospel, you will realize that you are compelled to take a position of weakness. Tu iras en tremblant. You will go trembling. Et Dieu va te bénir. And God will bless you. Même en tremblant, Dieu va te bénir. Even while trembling, God will bless si you. Si tu vas avec orgueil. If you go with pride. Si tu méprises des gens. If you despise people. Si tu insultes les ivrognes. If you insult drunkards. Dieu ne t'a pas envoyé. God has not sent you. Dieu aime les ivrognes. God loves the drunkards. Il veut les sauver. He wants to save them. Quand je veux condamner les doctrines des gens qui tuent les gens, je ne dis pas il y a des gens dans cette salle qui tuent. J'ai dit il y a des. Si tu as fait ça, tu ne sers pas Dieu. Sans confusion, il ne faut pas prêcher dans la confusion. Do not preach in confusion. Quand tu corriges, corrige dans la transparence. When you correct, do it in transparency. Ça protège ceux qui t'écoutent. It protects those who listen to you. La Bible dit pas de discours équivoque. The Bible says that no discourse that is not clear. Ne donne pas un message qui a plusieurs significations. Do not give a message that has many significations. Les gens ne savent même pas ce que tu veux. People do not even understand what you want. Et si on te coince, tu dis non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh non, je ne peux pas te faire ça. And when they come to you, he said, no, this is not what I want to say. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le travail que nous allons faire. The work that we are going to do. Nous allons étudier l'évangile de Jésus de Nazareth. We will study the gospel of Jesus of Nazareth. Et en l'étudiant, and while studying, il y a des démons qui vont s'en aller. There are demons that will depart. Vous allez voir. You will see. Même cette nuit même. Even tonight. Si tu as cru à ce message. If you have believed this message. Tes ennemis vont te dire on s'en va. Your enemies will tell you we are going. Parce que c'est cette parole qui a créé le monde, c'est elle qui restaure l'homme. Because it is that word that created the world and it is that same word that restores man. Ceux qui prient pour nous prier que on soit simple. Et m'inspiré. Those who pray for us pray that we should be simple but inspired. Priez que quand on va analyser les points de doctrine les uns après les autres, que l'esprit de Dieu repose, non seulement habite en nous, mais repose même sur nous. Pray that when we start studying the different points of doctrine, pray that the Spirit of God rest upon us, not only dwell in us, but rest upon us. Nous allons le voir prochainement. L'apôtre Paul dit, l'évangile est au milieu de vous. We will see it next time. You see, the apostle Paul says that the gospel is in your midst. Il progresse. It is going forward. Il porte du fruit. And it bears dans le fruit monde. In the world. C'est la proclamation de cet évangile qui va faire que les gens viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre et venir dire, nous sommes venus adorer Dieu avec vous. It is the proclamation of this gospel that will bring people to come from the north, from the west, the south and say, we have come here to worship God with you. Car nous avons appris que Dieu est avec vous. For we have heard that God is with you. Si nous efforçons à garder sa parole avec nous. If we make effort to keep his word with us. En la libérant avec humilité, avec crainte, avec sagesse, avec intelligence. By releasing it with humbleness, with wisdom and intelligence. Chacun d'entre nous le faisant à son niveau. Each of us doing it at his level. Avec fidélité. With faithfulness. Il y aura des maisons pour planter les églises. There will be houses to plant churches. Les pécheurs là ont des maisons. Sinners have houses. Quand ils sont délivrés, deviennent des couvriers.
When they are delivered, they become co-workers. L'œuvre de Dieu va prospérer. The work of God will prosper. Si l'ennemi se lève, le Seigneur va l'écraser. If the enemy rises up, the Lord will crush him. Dites amen. Say amen. Tenons debout. Let us stand on our feet. Lève tes mains. Raise your hand. Proclame que tu es prédicateur par grâce. Proclaim that you are a preacher by grace. Tu ne sais même pas d'où c'est venu. Tu es dedans. You don't even know where it came from, but you are in it. Et Dieu a même comme pour certains, Dieu les utilise déjà. For some, God is already using them. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient l'arme des temps dans les mains. But they didn't know that they have the weapons of ages within their hand. C'est avec la proclamation de l'évangile qu'on atteint le but. It is with the proclamation of the gospel that we reached the goal. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Vous verrez les gens venir. You will see people coming. En foule. In great numbers. S'asseoir parmi nous. Sit in our midst. Et dire, nous sommes venus adorer avec vous. And say we have come to worship God with Parce you. Parce que Dieu est avec vous. Because God is with you. Vous le verrez de vos yeux. You will see it from your with et your et eyes. Vous allez croire. And you will believe. Et les paroles que le Seigneur a proclamées sur la nation, sur l'église de Côte d'Ivoire. And the words that the Lord proclaimed about the church of Côte d'Ivoire vont s'accomplir. Will be fulfilled. Quand un missionnaire va dans un pays, when a missionary goes in a country, quand il n'a pas encore implanté l'assemblée, on dit il faut qu'il implante une assemblée. When he has not planted a church yet, they say that he must plant a church, an assembly. Quel que soit ce qu'il fait, tant qu'il n'y a pas d'assemblée, on sait qu'il y a un problème. Il y a un problème là-bas. No matter what he does, as long as there is no assembly, we know that there is a trouble there. Qu'il y a vraiment un problème là-bas. There is something wrong with him. Quand il a implanté l'assemblée. When he has planted the church. Après, il fait quoi? And after, what does he do? Il amène cette assemblée à se multiplier. He brings that assembly to multiply. La bénédiction de Dieu dit remplissez la terre. The word of God says fill the earth. Quand tu existes déjà. For you already exist. Dieu ordonne que tu te multiplies. When you already exist, God ordained you to multiply. Et quand tu te multiplies. And when you multiply, qu'est-ce que Dieu attend de toi? What does God expect from you? C'est que tu continues à te multiplier. Is that you continue to multiply? Jusqu'à remplir la terre. Until you fill the earth. Écoutez. Listen. La qualité. The quality est un don de Dieu. Is a gift of God. Et nous l'avons déjà. And we already have it. Par la prophétie. Through the prophecy. Dieu a dit. God said, je vous donne un troupeau de qualité. I give you a flock of quality. Tout ce que Dieu demande. All that God requires. Faut se multiplier. You must multiply. You must multiply, multiply. Et Dieu nous donne la clé. And God gives us the key. J'ai souvent prêché sur ce verset. I have often preached on this message. Mais pas par révélation comme maintenant. But not by revelation as now. Quand Dieu se lève, quand il dit marcher, ça veut dire qu'il vous a déjà exaucé. When God stand and said walk, it means that he has already granted you. Dans tes messages. When you, in your messages. Fais un effort. Make an effort. Pour révéler aux hommes l'œuvre de Dieu. To reveal the work of God to man.
les faits de Dieu, the facts, les choses que Dieu a déjà accomplies, the things that God has already accomplished. D'abord, ça va produire un peuple saint, humble. First of all, it will produce a holy and humble people. Qui sait que c'est Dieu qui travaille? Who knows that it is God who is at work? Et la grâce de Dieu va reposer sur eux. And the grace of God will rest upon them. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu a dit par la bouche du frère Zach, je vous donne un troupeau de qualité. God said through the mouth of brother Zach, I give you a flock of quality. Là où tu es là, where you are, tu vas grandir. You will grow. Tu vas mûrir. You will become mature. Paul a dit, Paul said, nous sommes regardés, we are looked comme mourants, as dying, mais nous sommes toujours vivants. But we are always alive. Comme n'ayant rien, as having nothing, mais possédant toutes choses, but possessing everything. C'est ce que tu es. That's what you are. On pense que tu vas mourir le matin. We may think that you will die in the morning. Mais chaque jour, tu es renouvelé. Every day you are renewed. Chaque année, André pleure. Il est toujours assis là. Every year, Andrew cries, but he's always sitting there. Parfois, tu as envie de dire aux anciens d'aller le soutenir pour qu'il ne s'écroule pas. Mais l'année qui suit, l'ancien Thieblé est là avec son harmonica. Sometimes you feel like telling the elders to go and support him so that he will not collapse, but the year that follows, he's sitting there with his harmonica. Voilà le visage de Jacqueline qui brille là-bas. Here is the face of our sister that is shining there. Koria kasete kere baltara masaben Koria bakala bakasakara bakasha Ori da kabakas da kashiri ala Oh sol lui seigneur Ora bakashara ala Dis je veux mûrir Say I will be matured, I will grow, I will be matured. Dis, je veux me multiplier. Say, I will multiply. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, Père. Say, Father. Dieu de toute révélation. God of all revelations. Merci pour l'évangile. Thank you for the gospel. Donne-nous les mots. Give us the words. De la sagesse divine. Of the divine wisdom. Donne-nous l'humilité. Give us humbleness. Du Seigneur Jésus, of the Lord Jesus, pour proclamer l'évangile, to proclaim the gospel, et délivrer les nations, and deliver nations, pour proclamer l'évangile, proclaim the gospel, et délivrer les captifs, and deliver the captives, pour proclamer l'évangile, to proclaim the gospel, et introduire les âmes dans le salut, and introduce souls in salvation, pour proclamer l'évangile, to proclaim the gospel, et libérer les guérisons, les miracles, and release healings and les délivrances. Deliverances. Oh Père. Oh Father. Donne-nous la sagesse. Give us wisdom. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Quand tu rentres, when you get back home, ne prends pas une retraite pour travailler sur le message. Prêche l'évangile. Do not take a retreat to work on the message. Just go out and preach the gospel. Si tu veux, tu prends le message même. If you want, you just take the message. Tu lis aux pécheurs. You read it to the sinner. Et tu lui dis de donner la vie à Jésus. And you tell him to give his life to Jesus. Le Seigneur a vu tes jeûnes, tes retraites, tes lectures. The Lord has seen c'est bon. Your maintenant, retreat. Parle. Your fasting. It is good. Now speak. Marche et parle. Walk and speak. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.